T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai? Pour de vrai. Attends, les soldats vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Ça a l'air cool. Tu veux essayer? Ok. Ouais! Bien accroché? Qu'est-ce qu'on fait là? Oh! Riley, viens là! Non, tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. Ah ouais. Allez, viens, viens là, monte sur celui-là. Allez, j'arrive, attends. Non, 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 non. Oh non, non. Non. Allez, je viens de monter. C'est nul. J'ai adoré. Et j'assume. Oh. J'ai trouvé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Oh. Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues? Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Les croque-monsieur. Tiens, je te le donne. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Ok, t'es prête? J'écoute. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto, la note est salée. Ah oh non. Je me marre. C'est très drôle. Un œuf dur, c'est bien galère à battre le matin. C'est très drôle. Si, c'est drôle. J'aime bien celle-là. J'ai commencé un livre sur la pesanteur et c'est impossible de le reposer. Ouais. Ouais, celle-là, elle déchire. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresse. Oh, oh. C'est deux pétards mouillés qui se croisent. Et toi alors, ça boume? C'est vraiment stupide. Je sais plus comment lancer un boomerang, mais ça va me revenir. Ouais. Ah. Le comble de l'horloger, c'est de craindre les aiguilles. Oh, t'as vu? Ouais. Les aiguilles, ouais. Les horloges. J'en connaissais une bonne sur les amnésiques, mais je m'en souviens plus. Classique. Quand les plombs ont fini par sauter, il les a toutes fait fondre. C'est une petite pomme qui a grand peur de mûrir. Ah, oh, c'est sympa. C'est trop mignon. L'ambiance autour de la chaise était très électrique. C'est... Ouais. Glauque. C'est un peu glauque. Allez, je mets ça de côté. Eh, merci pour le quart d'heure de gloire. Y a pas de quoi. Ouais, un photomaton. Ellie, faut trop qu'on le fasse. Comment ça marche? Il doit suffire de suivre les instructions, il me semble. Tu veux que je le fasse? Non. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Et c'est parti. Ça ressemble à quoi, cool? En quoi c'est cool, ça? Bah, il a des lunettes de soleil et c'est un lapin. C'est vrai. Je reste sur cool. Oh, ok, souris. Là, plus près, plus près. Ok. Non, pas d'oreille de lapin. Ok, on fait très peur. Dépêche, dépêche.
Ah, ah, on fait une grimace, ok. Poisson boule. Ok, on va faire une grimace. Ok. Allez, on est sexy. Trop sexy. Oh, c'est fini. Ok. Oh, elles sont géniales. C'est quoi Facebook? Genre, ça imprime ta tête dans un livre? Ah, donne-nous des photos. Je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Fais réessayer. Oh, ok. Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être quand... Bon, dessus. Oh. Oh non. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on l'a cassé. Oui, c'est possible. Donc... On reprend les recherches? Carrément. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi? Carrément. Moi, je ferai comme ça. Attention. La garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Ok, à mon tour. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Dénoncer tout individu suspect à l'administrateur de zone le plus proche. Vigilance. Agissez pour sauver des vies. Ouais, ce serait carrément mieux. Oh, putain, c'est dingue! Je te l'avais dit. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bouge avec ça. Là, coup de poing, là, coup de pied, et contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer. Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres. Un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple. C'est un gars blanc ultra baraque avec 3 bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. T'es prête? Vas-y, envoie. Manche 1, go. Au début du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui! Il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintiens gauche et contre pour parer. Tu soulèves le coude juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension directe. Joli. Il t'a eu. Combo. Fais haut, bas et pied. Pour une charge de l'arme. Barre-le. Tu le tiens. Bas, avant, point pour le coup. Ouais, défonce-le. Ouais. Achève-le. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent.
Elle lui transperce la poitrine encore et encore, jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes! Pas mal pour une première fois. Alors? C'était sympa. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur, là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la Luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Oh, fais chier. Mais où elle est passée? Riley! Riley! T'as déjà vu un truc pareil? La discussion est close? Je sais pas, à ton avis? T'as pas le droit de m'en vouloir, Riley. C'est moi qui dois t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé ton avis? Non mais attends, depuis quand mon avis t'intéresse? On était potes! On était vraiment potes, mais t'as fini par m'envoyer chier et après ça, t'as disparu! Toute cette journée. Tu te sens coupable? Tu veux te défiler? Vas-y, je te retiens pas. Je suis censée être en planque à l'autre bout de la ville. Si je me fais prendre en tant que Luciole, je suis morte. C'est pas la culpabilité qui m'a fait traverser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait des choses que j'ignore comment réparer, mais... j'essaie. En parlant de ça... ces fameux pistolets à eau dont tu rêvais. J'ai failli me faire tuer pour les avoir. Surprise. Ok. D'abord, je vais te laminer,
Et après, on parlera. Prépare-toi à prendre une douche. À nous deux, la luciole. Allez, viens me battre! Ouais, ça t'a plu? Tu vas regretter, ma grande. Je t'ai eu. Ouais, dans le lit. Ah, je suis trempée. Bouh. Je t'ai réglé ton compte. Quoi? Tu m'as à peine touchée. T'es trempée. Ok. Compte jusqu'à 5. Je vais me cacher et on doit se trouver. La première qui se fait prendre a perdu. Ça marche. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. T'es prête? Merde. Voilà, je gagne. Allez, on le joue en 3 manches. On recommence. Si tu veux. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas mourir. Oh, merde. Reviens, poupée. Ça va. Match nul. On y vient. Ça marche. 1, 2, 5. Plante-toi bien, je débarque. J'ai gagné, et ouais. J'ai gagné, et ouais. Waouh, tu sais quoi? T'as eu de la chance. De la chance? Ouais. Tu veux remettre ça? Je... Mais oui, mais je... Tu dois y retourner. Il faut que j'y retourne. Ok. Bien. Je peux au moins te raccompagner? Mais oui. Attends, je vais juste chercher mon sac. Et au fait... Je l'ai dit méchamment... Mais... Je le pensais vraiment. Tu devrais y aller. Je veux dire, c'est quelque chose dont tu rêves depuis... Enfin... Depuis toujours, alors... Qui je suis pour t'en empêcher? T'es la seule à le pouvoir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je vais m'en sortir. Et toi aussi. Et on se reverra bientôt. Tu devrais les garder.
Ça me servira pas à grand-chose. Tu trimballes toujours ton baladeur? Ouais. Fais voir. Tiens. Y a quoi dedans? La cassette que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, franchement? La ferme. Laisse ça, suis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir. Sérieuse? Viens par là. Allez, ramène-toi. C'est débile. Allez. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey, qu'est-ce que t'as? T'en vas pas. On fait quoi maintenant? On va trouver un truc. Mais je crois que Marlène ne va pas trop apprécier. Fellow is dead.